Avant de commencer à vous lire cette dictée, j'aimerais remercier le lycée français Saint-Exupéry du Chili pour sa participation à la dictée Bolée 2017 de Mayotte. Amina, cuisinière. Aujourd'hui, Amina n'a pas classe. Elle est en vacances pendant un mois. Mais le temps est maussade. On entend déjà au loin les grondements du tonnerre et des éclairs illuminent parfois le ciel d'un gris acier. Notre petite vacancière ne sait plus quoi faire. Sa mère s'affaire dans la cuisine. Je pourrais peut-être aider maman, se dit-elle. Je m'ennuierai moins. En arrivant dans la cuisine, elle voit sa mère bien occupée à éplucher des carottes pendant que des samosas dorent dans la poêle à frire et que de l'eau bout dans une casserole. « Maman, demande Amina, est-ce que je peux t'aider ?»« Eh bien, ma chérie, tu tombes bien. Je suis très en retard et je n'ai pas encore préparé le poulet aux arachides. Succulent. C'est mon plat préféré. Laisse-moi t'aider. Je te promets de bien t'écouter. Je manipulerai les ustensiles avec précaution. Ainsi, j'apprendrai à cuisiner. Bon, d'accord. Mais va te laver les mains soigneusement. Il faut être propre pour toucher la nourriture. Il faut tout d'abord faire revenir les morceaux de poulet dans la grande marmite qui est sur la paillasse. Mais comment fait-on revenir un poulet qui est déjà là? Demande Amina en écarquillant les yeux. Il suffit de le faire rissoler si tu préfères. Tu mets un peu d'huile dans la marmite et quand elle sera chaude, tu y ajouteras le poulet et tu remueras prudemment jusqu'à ce qu'il soit bien doré. J'ai tout compris. Faire revenir le poulet, c'est le remuer dans l'huile chaude. Et maintenant, la dictée est finie. Je vous remercie en espérant vous voir bientôt à Mayotte.